Number. Allô ? Allô ? Salutations YouTube. Salut. Nous sommes de retour avec Mintos pour le M Event. Superbe event jusqu'ici, mais hélas, assez peu d'élan de solidarité. On compte sur vous. J'ai résumé game. Yes, la musique est pas là, bon tant pis. Bon, je vais mettre des boissons en vente. Mais non, oh, mais... j'ai un point de vie. J'ai un point de vie. Ah bah non, t'as merdé. Et on n'a pas arrosé ? Bah non, mais c'est normal, c'est la fin de l'été. Ça, c'est le début de l'été, il faut tout enlever. Et le chien, attends, et on pourrait peut-être lui donner à boire au chien, attends, parce que là. Chien, chien. Mais le chien, il va crever au bout d'un moment, quoi. C'est chiant, c'est chiant. Faut chier. Mais je peux pas passer. Bah, il va crever. C'est bon. Il va crever. Tiens, pauvre chien, là. Attends, je vais même lui arroser la gueule parce que là. Que chier. Là, je vais arroser le cul, c'est bon. Ouais, on va acheter des fraises là. Enfin, ah, mais attends, on a tellement de choses. Non, mais attends, on a toutes nos graines d'été. Ah non, y'a pas besoin. Si, tu peux arroser direct. Tu peux arroser avant de poser ? Ouais. Ah non, mais je suis con, j'ai vraiment zéro d'énergie. Comment je fais ? Mange des poissons. Tiens, je vais te mettre des poissons. Qu'est-ce que tu fais là ? Non, mais j'ai des poissons, mais. Mange tout. Tiens, mange mes poissons là. Mais non, mais on devait les vendre trop cher. Bah ouais, mais si tu peux pas planter, ça va être chiant. Bon bah attends, je mange mes poissons. Mange des trucs. Ou sinon, fais un tour dans la ville et en haut là, au-dessus de la ferme, tu auras peut-être des trucs par terre qui donnent à manger. Oui, non mais ça c'est la Zermie. Ouais bah ouais, mais c'est la Zermie hein. Ok. Ah ! On fait l'eau, il y a des t-shirts M-Event. Ouais, non, on s'est pris un peu tard. Ah ! Oui. On s'est pris un peu tard. Non mais, si vous faites un don... si vous faites un don de plus de 20€... On vous contactera quand les t-shirts sont prêts. C'est-à-dire que le M-Event, à midi, j'ai envoyé un message à Victor MV. Donc moi, je pensais qu'il allait me répondre dans 6 mois. Il m'a répondu 2 minutes après. Et il m'a dit « Go M-Event ». Si vous faites un don de 20€ ou plus, dès qu'on a des infos sur les t-shirts, on vous envoie un email. Hein. Voilà. On vous inscrit dans la newsletter. On vous whiz sur MSN. Merci Rofello. Merci YouTube Canon pour le tiers 2. Mais c'est de la merde ça. Mais je trouve rien. Je vais manger mes poissons parce que je trouve rien, Romain. Ouais, mange. Ah, je suis écœuré. On vous inscrit dans la newsletter. Mais attends, mais je mange des poissons qu'on devrait vendre 200 balles et je gagne à peine, quoi. Non, mais c'est bon, mange. Si ça va, c'est ok. C'est ok. Ceux-là, enfin ouais, les étoilés, en fait, c'est les étoilés qui donnent. Les autres sont anecdotiques. Regardez. Oh, je mange le golden flétan. Oh là là, je me mets bien là. Merci Glepo pour les 200. Bon, c'est 700 balles qui passent à la trappe. Et d'autant plus que j'avais l'aspect pêcheur là, on aurait pu vraiment se faire des couilles en or avec mes poissons. Vas-y, il faut acheter des fraises là. Quoi ? Ah non, alors est-ce que je vais sur le wiki pour min-maxer pour savoir quoi c'est qu'on achète comme. Non, mais déjà, on a les graines de melon et le truc là. Ouais, mais faut tout acheter là, faut tout les, acheter. Les c'était quoi ? Bref. On commence par un C, mais j'oublie tout le temps le nom. Oui, c'est là. Bon, c'est chez Pierre qu'on achète les graines. Ouais. Non, pas les canneberges. Attends. Vous m'entendez, Xavier ? Oui. Je regarde ce qu'il faut acheter. Et regarde le wiki. Mais achète-les, tu me les donneras. Moi, je vais planter ce qu'on a déjà, non ? Je les plante, les melons et les trucs, là. Vas-y, fais ta vie, moi. Mais non, c'était pas les cucurbitacées. Les caramboles. Ça keep growing. Tout à fait. On achète une fois et ça repart. Ah, Quev, n'empêche, ça se dit déçu de la tournure de Fire Emblem, mais ça passe son temps à pêcher et draguer du Stefano toute l'après-midi. Ouais, mais là, c'est direct, quoi. On vit le truc, c'est de la manutention, ce que je suis en train Attention, de faire. Attention, regarde bien l'argent. Ok. Oh, l'enculé. What ? Tu me dis que quand je m'arrête, hein. Je m'arrête pas, moi. Hein ? Ah, c'est toi qui gères, hein. Mais j'y pencherai pas. J'y penserai pas à deux fois la prochaine fois que j'aurai un petit truc à m'offrir. Bon, je plante des melons. Ouais, vas-y. Oh, j'achète 10 000. Mais t'en as des melons toi aussi. Ouais, j'ai des trucs. Je fouille dans ton truc, hein. Ah oui, mais on a les mêmes trucs. 10 000. On a les mêmes 157. Graines. 157. Je plante tes melons, hein. Ouais, plante mes melons. Attends, j'imagine que c'est Spotify qui fout de la merde là. Ah ouais, Spotify, je sais pas pourquoi, mais attends. Mais pourquoi ça a pas planté là ? Bon bah, je plante deux caramboles. Je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi il y a deux caramboles au milieu des melons.
Ok. Bon, j'arrose le reste. 157 blueberry. Vas-y, vas-y. 157. C'est quoi, ouais, blueberry, ouais. C'est les myrtilles. Ouais. Ah, j'adore ça. Ma fille adore ça aussi. Wow. Grande fan de myrtilles. Ah, là, c'est assez effrayant. Myrtille ou framboise, on ouvre une barquette. Et genre, elle la défonce. Mais elle speedrun la barquette en une minute. Elle a même pas commencé, elle a même pas commencé à bouffer son truc. Elle leur fout 10 dans la bouche. Yes. Une fanatique. C'est fanatique. Ah, de impressionnant chocolat. Cette passion pour les fruits rouges. Ah, c'est bon les fruits rouges, hein. Bon pour la, bon pour la santé. Okay. Toujours mieux que les McDo. Hein. Certes. Tu lui donnes l'habitude de manger des fruits du McDo. Ah, c'est bon, moi, hein. je vais l'éduquer à coup de kebab. Coup de tacos suis viande. Tacos suis viande. Topping. Giga tacos tous les jeudis là. Topping chèvre miel. Ok. Et gros bisous. Voilà, vas-y. Hein, est relancé. Ah, le MM, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dons, ça y est? Ouais, il y a des dons, il y a tout. Ah, par contre, ouais, n'hésitez pas à passer par mon portail. Hein. Ah oui, il faut passer, Victor X, il faut passer par Mister Mix, faut qu'il prenne. C'est un portail sécurisé, c'est pour ça. On s'assure que tout se passe comme on l'a prévu. C'est antifraude. Mais qu'est-ce qu'il fait, le chien? Le chien. Parce que je lui ai donné à boire, il est hystérique. Alors, est-ce que tu penses que j'assais là? J'espère. Il est 15h50. Hein. Connaissant le jeune merde, on va bientôt être épuisé. Hein, donc... je vais planter moi. Ah, j'ai plus d'eau. J'arrive. Et t'en as acheté 150? Ouais. Et ça prend combien de temps? C'est une dinguerie, mec. Je sais pas. Attends, je vais te dire. Ça prend 13 jours, mais après ça repousse vite. Ah! Et t'as pas besoin de racheter. Et donc là, l'été, c'est un mois en fait. C'est ça, on va jouer 30 jours là. Ouais, c'est un mois. Oh là, les couilles en or. Cet été, quoi, passé. Il me reste combien? Ah, encore 66, ah, je sais pas. Ah bah je pense bon. Qu'il faut encore bêcher, ouais, ma chère. On va bêcher, on va bêcher. 45. Il faut... Ah, va falloir faire des épouvantails aussi. Des épouvantails, épouvantaux, je sais pas. Je crois que j'entends du bruit. 30. Je crois que c'est les plombiers qui reviennent me hanter. En mode... monsieur, on a compris ce qui se passe enfin. Les WC sont bouchés, on a essayé de passer par le lavabo, ça n'a pas marché. T'as compris. Quand il est presque. Oh merde, oh, j'ai débordé. Oh, ruiné, ruined. Ruined. On peut pas la niquer la souche, nique. Si, regarde, là. Ah bon? Avec la hache? Ah non, avec la pioche. Tiens. Bon, il manque 2 graines. Ah oui, non, mais moi je te pas disais, je parlais de la souche d'arbre. À la souche, non, il faut une meilleure arme. Oui, c'est ça. Mais voilà, j'ai tout planté, c'est énorme. Non, mais ça va nous prendre 20 heures chaque jour d'arroser tout ça là. Non, c'est ok, il y a des strats. Il y a des arroseurs automatiques. Ah, oui, arroser, ouais, ça va être. Oui, il y a des trucs automatiques, mais ils sont tout pourris les premiers. Mais on peut, hein. Ils sont tout pourris comment? Ah, tout pourris. Genre, ils arrosent 4 cases? Hein? Genre, ça arrose que 4 cases au début? Ouais, c'est ça. Waouh. Un peu moisi. Tu veux les remettre ou pas? Bah non, si c'est vraiment de la merde, non. Attends, je regarde. Le problème, c'est qu'on aurait dû les planter avant, quoi. Parce que là, il va falloir enlever. Ah ouais, non, c'est gâché. Non, mais on le fera à la main. C'est gâché. Merci beaucoup. Ouais, mais j'ai plus d'énergie, moi je vais me coucher, hein. Salut. Attends. Attends, faut faire des épouvantaux. Ah non, mais j'ai vraiment plus d'énergie. Ah, mais mange un. J'ai 11, mais j'ai plus rien à manger. Mange un truc. Fais voir, t'as pas pour faire des barres énergétiques. Ça, c'est ma technique pour lui gratter un truc. Je te pique des trucs, hein. Quoi? Attends, c'est pour ton bien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que t'as piqué? T'as piqué quoi? J'ai un piqué. Il me faudrait des pine cones. T'as des pine cones? Des quoi? Des pine cones, des babets. C'est ce que c'est, un babet? Ouais. Bah non, si t'en vois pas dans le coffre, c'est que j'en ai pas. Hein. Non, t'as pas de babet, Eh, y'a deux trucs à arroser à droite, très juste. Est-ce que j'ai des trucs à te donner à manger? Ouais, prends mes poissons dans mon coffre, si tu veux. Ah d'accord, merci. J'osais pas. De rien. Pas cher. En même temps, il est 20h20, on peut se coucher, là.
Non, attends, faut faire des trucs là. Mais l'épouvantail, du coup, on va devoir sacrifier une de nos graines. C'était... Non, on les mettra sur les côtés. Ok. T'as du bois un peu ? Ah oui, t'as du bois toi. Ah, du bois, j'en ai en masse. Bon, je te laisse faire les crafts, hein, moi ça m'emmerde. Hein. Mais tu veux le mettre où ? Tu veux le mettre là, ton épouvantail, là où je suis ? Merci. Non, on va les mettre autour du coup. On va en mettre un là. Oh putain, on n'a pas fait un truc impair, quoi. On est des cons. Comment on fait un épouvantail ? Il faut 50 bois, un charbon, 20 fibres. Ok. Faut que je le fasse l'autre ou tu l'as fait ? Ah, ça fait chier. J'ai pas envie de baiser une graine. Ah non ! Ah mais ça va baiser plus de plantations. Ah, l'aura elle est pas assez bonne ? Ouais, non. Comment on voit l'aura d'ailleurs ? Je sais plus, mais c'est pas énorme. Bon, tant pis. Si on en met un haut et un en bas, si on met un haut et un en bas, c'est pas bon. Ouais, mais on en a pas assez. Mais moi, j'en fais un, moi. Genre là. Ouais, non, mais je t'ai tout piqué dans ton sac. Comment ça ? Je t'ai tout piqué. Mais j'avais 500 bois, non ? Ouais, mais je t'ai tout pris. Je t'ai tout pris. Tiens. Mais attends, mais tu m'as fait bouffer les poissons pour au final que je fasse rien, donc je suis pas vénère. Tu as 45 bois, j'espère que t'es content. Super. Tiens, je vais vendre des trucs. Hop là. Ah non, je suis sluggish. T'as pas... Dis-moi que tu m'as laissé un poisson. Non. Oh bah non, mais je vais crever. Je suis en train de crever. Cher. Je suis en train de crever. Attends, j'ai une baie. Oh ouais. J'ai une baie épicée. Je te la donne. Ah oui, merci. Oh. Ah, c'est l'amour. C'est l'amour fou, hein. C'est vrai qu'on a paniqué encore là. Il faudrait qu'on s'y penche sur ce bordel là. Bon, moi je vais dormir. Ok. Faudrait qu'on s'y penche sur cette ferme là, qu'on nique. C'est parfait. Mmh. Bah oui, il faut niquer. Waouh! Bon, dans 13 jours, on est héros du monde. Hein. Dans 13 jours, on est riche, ouais, parce que là, on a perdu 20 000 balles, quoi. C'est ça. Oh, j'ai chaud, j'ai si chaud. Bah, moi aussi. Cocorico! MV a une migraine. Ah, t'as une migraine? Alors là, faut. Ouah, c'est la musique de l'été, on l'a jamais entendu. Ça a l'air trop bien. Ah, il faut arroser, putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Oh! Oh là là, le jeu vient de devenir encore plus nul là. Trop bien la musique. Oh là là, de la sitar. Fallait y penser, hein. Quel croisement d'un poirier et d'un quoi ? Ah. D'un caoutchoutier. Ah, il y a des blagues dans mon chat. Ah yes. Mais quelle idée quand même d'utiliser de la sitar comme lead sur cette musique de fermier, quoi. Je sais pas ce que c'est la différence. J'attends la réponse avec impatience, hein. Je sais pas si j'ai envie de la dire, moi. Ah, j'ai déjà plus d'énergie. Ah, mais comment tu te démerdes ? On s'est couché à l'heure. Ouais, mais j'étais épuisé, je t'ai dit. J'étais en train de mourir. Ah, mais ça veut dire que là pendant 13 jours on va faire que ça, quoi. Bah non, ça... là on va aller pêcher là. La VOD, bah oui, mais si t'as plus d'énergie. Ouais, mais je mangerai des poissons. Quelle misère. Tu veux pas fouiller les poubelles aussi, hein ? Ça nous rappelle la souvenir. Si, on a pas fini la part. Hein. Alors là je vais te laisser parce que là j'ai plus, hein. J'ai plus rien, moi. J'ai plus de. Ah, salut, hein. N'hésitez pas les dons, on récolte les dons pour Mintos, tout à fait. Ouais. Regardez. Ah, Gunther, Gunther, je peux lui donner des trucs à Gunther. Les images parlent elles-mêmes. Je suis malade. Je vais donner ça aussi à Gunther. Ça, je vais le vendre. Ça, je vais le vendre. Ça, je vais le vendre. On va se faire de l'argent, ouais. La dame du lac. Ah putain, il y a la suite de... Non ! Ah non, faut pas vendre la gerde. Il y a la suite de Breaking Bad, là. Enfin, le film. Ah oui, j'ai pas vu le trailer, oui. Le trailer, il sortait pendant qu'on était à Rock en scène, j'ai pas vu. Yes. Et là, j'ai regardé tout à l'heure le nouveau Joker. Ah oui, j'ai vu, ouais. Ouais, Joker, ouais, j'espère que ça sera cool. I hope so.
Joaquin Phoenix, un bon acteur. Il a un bon rire, il a un bon rire. Il a un bon rire, mais... On verra. Pas trop swipé. Moi, je me hype plus pour rien parce que sinon, je suis déçu. Bien sûr. Je suis déçu. Tu as bien raison. Bon, moi, j'ai crevé, hein. J'ai crevé. Comment ça? Pourquoi j'ai un champignon? Moins 50 énergie. Ah, c'est 10 000 balles là, quand même, c'est de l'argent qui dort. Hein. Je suis pas content, moi. Par contre, on aurait pu vanter 50 blueberry en plus. Bah, on peut toujours, hein. Ouais, mais c'est pas opti. C'est opti. Il se plaint pourquoi alors? Ah merde, mon crabe! Je vais chercher mes crabes, ça va être insane. Ils ont le crabe? Ah, mais non, mais du coup, je devais le chercher le lendemain, mais vu qu'on a fait notre merde de. Ouais, mais c'est pas grave ça, tu peux aller chercher crabe. Je vais m'en acheter 3 autres. Ah bah voilà, je vais m'en acheter 4 autres, comme ça on aura plus de pognon. Ouais. Ça sera optimisé. Achète-toi des paniers à crabes. Non mais je sais pas si ça vaut le coup. Je sais même pas ce que... Au bout de combien de crabes on rentabilise le panier là. Parce que là, ça coûtait 1800 balles le panier de crabes. J'espère que j'ai chopé un truc pas dégueulasse quoi. Ah, tu sais ce qu'il y a dans mon panier de crabes? Une canette de jauge à cola. Un journal détrempé. Yes. T'es content de ton achat? Mais j'ai l'impression que c'est toujours nul près du mec des poissons. Ouais, peut-être que je le mette ailleurs, mon panier de crabe. Sur le pont, là, c'est pas mal. Hein. Attends, je crois que c'était là, le coin des anguilles. J'ai un truc un peu nerveux, là, attends. Une tilapia. Il est tellement vénère, celui-là. C'est vraiment j'ai. Alors, je suis à la porte de la mort et j'ai un putain de poisson vénère. Ah. En plus, ce qui est génial dans ce coin-là, c'est qu'il y a zéro musique, donc c'est vraiment de la merde jusqu'au bout, quoi. Ouais, je devrais peut-être bouger mon panier, mais c'est pas grave, pas tout de suite. Je vais faire confiance à la mer encore un petit peu. Anguille pêche de nuit. Ah oui, c'était ça. C'était la nuit. By night. Ah ouais. Son petit pont, là. Ah non, mais moi, j'ai parti à la recherche des bulles. Je suis un dingue. Vas-y. Ah yes, trouvé. Oh là là, un pic. Hein? Un pike. Pourquoi le... Merde, non, mais c'est clic gauche. C'est ça. Oh, ça va mieux. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il est agité. Mais j'ai pas fait un parfait. Une truite arc-en-ciel. Truite arc-en-ciel, mon gars. Oh, c'est ouf. Je sais pas ce que c'est, mais c'est ouf. C'est dingue. Il m'a feinté. Oh, c'est un poisson amorphe. C'est une sardine. Oh, deux pics. Nouveau record. Truite arc-en-ciel. Oh, mais d'où t'as les truites arc-en-ciel, toi, vers toi? Bah, j'ai trouvé les bulles. Ah. Ah, y'a la blonde qui vient me pécho. Bisous. Désolé, hein, c'était là. Ok, ok. Salut. Écoute. Hein. Je la plains, hein, vu qu'elle sera jamais baisée, mais. Si, quand j'aurai une maison, une belle maison. Hein. Ah, d'accord. Une belle maison. Putain, mais c'est vraiment de la merde. Je chope que des algues pourries. Alors que j'ai chopé les bulles, quoi. Ah, celui-là, il est énervé. Oh là là. Oh putain, non, faut pas que je le perde, celui-là. Celui-là, il vaut cher. Ah, j'ai un rainbow trout. Bah, ça, là, tu seras là tout à l'ancienne. Oh, le brochet. Oh, le brochet. La belle truite. Bonne mère. Bon bah je mange mes poissons vu que... Putain mais c'est vraiment un jeu de mort. Hein. Mais pourquoi t'as voulu jouer à Stardew Valley? Ah j'adore. Ah. Non mais j'ai compris que plus c'est chiant, plus les gens bizarrement ils sont là quoi. Il se passe un truc. Bah alors on t'a dit qu'on était 4000 tout à l'heure. Oui non c'est vrai que le stream est mort. Hein. J'ai oublié. Attends. Mais ça va buzzer sur YouTube, c'est ça qui est bien. T'as la vie. Chope le coffre. La VOD sur Trio, elle va pas laisser les gens indifférents dans les commentaires. Ah ça. Poisson lune, mais ça vaut rien les poissons lune. Vous êtes combien là? 5200. Dur. Oh, c'est pas ouf. Dur.
Écoute. C'est pas grave, hein, je vais dire à ma femme que je vais reprendre un boulot alimentaire. J'espère qu'elle va pas se barrer, quoi. 10 000 euros de moins sur les OP. Ouais, moi qui comptais sur ce M-Event. pour moi faire. Moi qui comptais sur les M-Event pour vacances. Désolé. Ouais, moi qui comptais. Moi qui comptais sur cet événement caritatif pour lancer ma carrière et enfin pouvoir enfin m'acheter cette maison. Moi qui comptais creuser la piscine ce week-end. Merci pour rien. Hein. Bon. Allez, on y va. Mais non, mais les poissons lunes, ça vaut rien. Et pourquoi les bulles, elles restent alors que tout ce que je récupère, c'est dégueulasse? Ah là, ça a mordu tout de suite. Il y a peut-être un truc, là. Là, il se passe un truc. C'est pas dedans. Le parfait. Oh, le parfait. Oh là là, Jedi Reflexes. Quoi? C'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Non, c'était une truc d'arc-en-ciel de merde. Putain, mais c'est honteux. Ah, je vais être épuisé. Je commence à être épuisé. Après celui-là, je mange. Hein. Là, je pourrais au moins t'acheter une glace, quoi. C'est bon. Bah, quand même qu'on... Ouais, non, bah, je sais pas. De toute façon, on jouera plus jamais à ce jeu. Hein. Comment ça? Si. Ah bon. Enfin, faudrait peut-être qu'on s'y mette sur les objectifs de jeu, quand même. Ah! Mais pourquoi on faisait pas ça? Parce qu'on est des mongolos et qu'on essaie déjà de survivre et que c'est compliqué. Et que... Ah... Mais ouais, les poissons, faut mettre certains poissons, tu sais, faut y ramener dans le truc du maire là. Dans la mairie. Oh là là. Avec les petits potes là, faut rendre les poissons. Ah oui, ce truc de merde, oui. Ouais. Ça me revient. Non, je mange des poissons et des algues. Et ça fait ça. C'est un petit peu le projet creuse hein, finalement. Carrément. Histoire de valeur. Est-ce que j'ai un truc pas étoilé? Ah, j'en ai plein des trucs pas étoilés, mais ça donne rien. Ah si, la truite arc-en-ciel, ça donne un peu quoi. Ah merde, les bulles ont disparu à l'instant. T'as toujours ton chat de mort, toi? Comment ça, mon chat de mort? Ton chat là, que tu gardais... Oui, bien sûr, il est là, il est de retour. C'est le tien, toujours du coup, c'est le tien, maintenant, ou... Ah oui, c'est plus ou moins le nôtre, hein, quand même. Ok. Il est trop marrant. Génial. Oh là, il est véhément, lui. Oh, la sale bite. Ah bah oui, bah je suis con. Je parlais de m'acheter un chat en peluche pour le jeter... par-dessus ma chaise pour faire comme Anitia l'avait fait. Mais finalement, j'ai pas besoin d'un chat en plus, vu que j'ai un chat. J'ai pas le tien en plus, donc... Ouais. Non, faut pas dire ça. Hein. Encore une VOD polémique. Non. Après trio, okay. Le GT de chat. Oui. Non. J'ai de la vodka, c'est bon, j'ai de la vodka aussi. je me dis sur la directe. Désolé, la prise. Ah, mais attends, mais il y a une quête chez Pierre. Merde. Mais... Ah, c'est l'anniversaire... Qu'est-ce qui se passe? Mais y'a rien. Pourquoi il me fait chier? Y'a rien. Oh, y'a la fête hawaïenne le 11. Et, ah, la, dinguée, et la danse des méduses le 28. Ah, la danse des méduses, c'est pas mal. Ah. Ah, mais on y arrivera dans 10 VOD, ça. Ah ouais, dans 6 mois. Dans 6 ans. Oh, j'ai vu un lapin se planquer. On peut le baiser ou pas? Bon, vas-y, je vais pas chercher les bulles, sinon je vais jamais pêcher. Moi, je vais aller voir si je peux poser des poissons dans le hall, là. Dans okay. Le hall des petits potes. Un brim. Un brimstone. Il va jamais sortir, repentance, hein. C'est bien, hein. Mais si. C'est en fin d'année, c'est prévu. Il va falloir rejouer. Hein. Faudrait que je joue aux autres et que j'ouvre mon... Faudrait que j'unbox mon colis avec plein de goodies vraiment uniques jamais... que j'ai reçu il y a 6 mois. T'as vraiment jamais unbox ça? Mais non, parce que je voulais faire une belle vidéo, donc... Ouais. Faut que j'y pense, tu vois, faut que je la brainstorm. C'est des démarches. Faut que je me mette dans le mood de faire une vidéo d'unboxing artistique. Ah bah voilà, il y a un truc à... Bah finalement c'est bien d'avoir des prix, des trucs à crabes là, il y a un bundle de crabes à faire.
Ouais, bah ouais, mais pour l'instant, j'ai trouvé des papiers et des journaux. Riverfish. Alors, est-ce que j'ai des trucs de Riverfish ? J'ai que de la merde. Oh, j'ai que de la merde. Génial. J'ai que de la merde. D'accord. J'ai rien qui sert. Ce coin-là, il est nul, il y a que des dorades. Il faut quoi ? Il faut quoi ? Putain, mais c'est pas possible. J'ai attendu 1000 ans pour avoir des lunettes, quoi. Il voulait quoi ? Des déchets. Il veut quoi l'autre dans sa maison de mort ? Ah non, c'est tard ! Il est tard ! Ouais, ouais. Un petit dernier. Oh, c'est vraiment de la merde. Ouais, je vais tout revendre. On a pas le temps. Hein. Ah, les poissons de nuit dans la mer, oui, pour les anguilles. La nuit, faut pêcher dans la mer. L'anguille. On va faire ça. Moi, je fais une journée full pêche demain. C'est pas ce qu'on vient de faire, là ? Ah, je m'en fous. Ah non, mais faut tout arroser. Oh là là, c'est tellement nul. Ah non, on va se coucher après 1h du mat, c'est la baise. Ah, tant pis, je vends rien. Allez, je vends rien et j'essaye d'accrocher mon lit avant 1h du mat. Non, je suis baisé. Ah, elle me fait zzzz. Mais putain, arrête de pêcher dans le vent ! Oh, oh non, oh, je vais être épuisé. 1h10, ils m'ont baisé. Ah ! Event ! Quoi ? Il y a eu quelque chose ? Au niveau 6 de canne à pêche. Ah, oh, je peux fabriquer des leurres. Il y a eu un tremblement de terre, je crois. Ah si, je sais ce que c'est. Il y a un piège flotteur. Moi. Ok. Non, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie, c'est ce qui vient de se passer, là. Mon niveau 6 de pêcheur. C'est quoi le fantôme à côté MV ? C'est la Mintos TV. C'est pour lui qu'on récolte des fonds. C'est pour moi, je suis en train de mourir, les gars. Il y a eu un tremblement de terre pendant la nuit. Okay. Je rends mes poissons, moi. Oh, la zik est incroyable, hein. Attends, j'ai du courrier. C'est un peu embarrassant, j'ai perdu mon short violet porte-bonheur. Je vous le dis parce que je pense pouvoir vous faire confiance. Si vous le retrouvez, rapportez-le moi discrètement. Le maire Lewis. J'ai accepté, Lewis, mais comment je vais trouver son short violet ? Ah, je sais plus. Putain, génial. Merci en tout cas. Ah, oh, mais je vais pas te spoiler. Attends, je vois les trucs. Là. Il y a eu un tremblement de terre, t'as vu Darkpool. C'est plus une poubelle qu'un hôtel de vente, mais c'est pas grave. Il est où le tremblement de terre alors, toi, tu sais, toi ? Ah, je vais te voir. Putain, le mec, il sait, hein. Il connaît. Il connaît le jeu comme sa poche. J'ai fait mon gras toute l'année dernière quasiment sur ça, enfin, pendant 3 mois. Là. 3 mois, j'ai joué à ça tous les jours pendant 5 heures. À la fin, j'avais 100 vaches, 100 poules, 3 dinosaures. Mais alors que toi, t'as un potager IRL, non ? Hein ? T'as pas de potager IRL ? Bah non, j'ai vu quoi que ça. Quoi ? T'étais en province ? Bah, j'avais avant, mais non, maintenant non. T'es en province et t'as pas de potager ? Ah bah, je suis un fou, moi. C'est ridicule. J'ai replanté mes patates. Ok. T'as un potager, toi ? Ah non, moi je suis pas en province. je suis pas de potager. Oh. Ah, mais quel racle. Dans la tour de chat, ils ont un potager. Je sais pas. J'ai un jardin secret. J'ai un havre de paix sous verrière. C'est la petite madeleine de Proust, c'est mon petit potager. La petite madeleine de Proust, c'est mon petit potager sous ma petite verrière. Ok. En centre de Paris. J'ai un petit potager dans une petite serre qui donne sur tout Paris, sur la butte Montmartre, à côté du Sacré-Cœur. Putain, je suis à la moitié de mon énergie, quoi. Bon, attends, moi je vais chercher. J'ai un panier de crabe à check là. Ça me purifie, c'est important. Oh là là, il y a une baie rouge. Alors ça, oh là là, c'est un raisin. Ça, c'est mon petit secret, ça. Hein. Un raisin. Oh, baie épicée étoilée. Oh, je la bouffe direct. C'est énorme. J'ai acheté pour 500 000 balles pour faire un petit potager. Ah, je me mets bien là.
Le potager de Minto, c'est pas MV. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. T'as cherché. Ah non, alors non. La mer, c'est le soir. Oui. Merci, Creature Boy, pour le prime. Ah, merci, Yakmoi, qui offre 400 bitcoins pour redonner de l'opacité dans la vie de Mintos. Ah oui, plus vous avez donné de l'argent, plus il sera visible. C'est con que tu puisses pas enlever des pixels sur ma caméra. Ah, là, ça voilà. Bien, là. Merci, Mielpop33 pour 575 bitcoins. Bon anniversaire, Mintos. Merci pour lui. Hein. Ah, merci. Attendez, je vais toucher au filtre. Peut-être moyen de ramener un peu de Mintos à la vie. Ah non, c'est trop, là. Pas trop quand même. Oh là là, je vais faire une dinguerie là, attention, t'es prêt? Ouais. T'es prêt. Quoi, il va dépenser de l'argent quoi? Oh là là, bundle completed. Hein, on a avancé dans l'histoire. La série de quêtes, waouh le ouf. T'as donné summer quoi? Summer seed. T'as donné 30 quoi? Summer seed, oh, faut encore plus de summer seed quoi. Qu'est-ce qu'on faire? Je sais pas de quoi il parle mais il a l'air passionné. Il faut replanter des oh non. Des panels. Oh non. Oh non, j'allais faire le coffre, je voulais faire les deux en même temps et pas perdre le parfait, j'ai pas eu mon coffre. Quel jeu de merde. Oh, c'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est scandaleux, c'est honteux. Il est champion du monde, il est pas content ce connard. Bon bah je vais planter mes graines, mes fonds de graines. Ah non, je voulais conserver mon parfait tout en prenant le coffre et finalement je me fais baiser le coffre alors j'étais à 99% de la jauge. Oh, et les poissons lune, ça n'intéresse personne. Oh. MV, tu prendrais pas pour un gueux, aussi. Ah oui, j'avais dit que c'était un plagiat de la musique de Yoshi's Island. C'est un hommage, un bel hommage. Merde, j'ai oublié. J'étais dans la musique. Et toi, il paraît que maintenant, tu te convertis en streamer... En streamer Real Talk, en streamer Just Chatting. Comment ça encore? C'est quoi cette histoire? Ça a changé, la Minto CV. Mais, mais avant, c'était que du Just Chatting, hein, ouais. C'était que de la merde, c'était e-live, quoi. Comment ça? Bah ouais. Ah oui, c'est vrai, en fait. Bah ouais. Finalement. E-live, c'était que du Just Chatting, on faisait que de la merde. Des fois, on commentait les trucs, mais en vrai, c'était que de la merde. Non, mec, du coup, tu fais plus de Just Chatting maintenant à 5h du matin, full reboot. Full reboot, bah non, si seulement. Je suis sobre à chaque fois. Ouais, ok. Ah d'ailleurs, je pourrais me faire Ouais, mais c'est un petit verre là. Ah ouais, c'est vrai, je bois plus là. Je bois plus, je fume plus, je me drogue plus. Pff, super la vie, hein. Génial, hein, ouais. C'est bon, ouais, je vais me réserver un spot au cimetière, quoi. Alors, attendez. Bon. Mais au moins, on récolte de l'argent pour les bonnes causes. N'hésitez pas. C'est hein. Du Mr. MV qui fumait 40 clopes par jour. Hein. Bah ouais, bah ça. J'étais plus drôle. Hein. J'étais plus drôle quand je fumais. C'est drôle quand tu fumais. Hein. Papa refuse, reviens. Faites des gosses, hein. Ouais, ça, mais je l'avais dit à ma femme, on aurait mieux fait d'avoir un chat. Hein. Ah merde, je suis exhausted, okay, putain. Ok, bon, alors. On aurait mieux fait d'avoir un chat, j'aurais pu continuer à prendre de la drogue, quoi. Ouais. Allez, mais non, mais qu'est-ce qui se passe là, le poisson? Je suis exhausted, là, viens me chercher. Je vais tomber dans les vapes. Ok. Oh là là, deux brochets de 90 cm. J'ai des bombes, je vais faire péter la baraque là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le dingue lui. Attends, je regarde son écran parce que ça m'en dingue. Regarde, je me traîne le cul. Oh non, j'allais avoir le parfait. Oh là, mes nouveaux records quoi, tout de même sur cette truite arc-en-ciel. J'espère qu'elle est dorée. Oh là là, on va se faire des couilles en or, Romain. Oh non, cette fois-ci, je vais chercher le coffre. Hein. Il y a deux questions que je me refasse bolosser à nouveau. Donne-moi un poisson. Oh là, il y a plein de meufs qui passent là. Faudrait que je leur parle. Parce que... Non, mais il y a des gens à qui j'ai pas parlé dans le village, ça me rend dingue. Je veux cet achievement pourri. Une petite géode. Non, mais il y avait un gamin. Le gamin, je crois que je le connais pas. Non, mais il a disparu. Il est où le petit gamin avec les cheveux à la con là, les cheveux rouges? Ouais, il joue à cache-cache, ça se trouve, putain. Je vais au bar, je m'achète une salade.
Ok. Je peux même pas m'acheter une salade. C'est quelle vie? Pourquoi? Oh, il veut pas me parler. C'est fermé? Non, non, mais là, le serveur il est là, mais il faut pas. Ouais, oh non, la canette, putain. C'est trop nul ce spot. Quel jeu. Bon bah il veut pas me vendre des trucs, donne-moi un poisson s'il te plaît. Quoi? Je vais mourir. Hein? Je vais mourir. C'est quoi ça? Coquille arc-en-ciel. Bah viens me voir. Donne un poisson. Je suis à la plage. Je suis à la plage. Mais non mais parle-lui. Oui, c'est magnifique le bruit de la mer, oui, en effet. Ah, donne-moi le Joja Cola, là. Un Joja Cola? Mais c'est 13 d'énergie, ça sert à rien. Non, je vais te donner Ça suffit pour que, je puisse pêcher après des anguilles. Et mais je vais te donner un beau brochet. Regarde, tu as kiffé. Ça, c'est l'amour, ça. Merci. Merci, Xavier. Moi aussi, il faudrait que je mange un coup. Mais j'attends la soirée pour les anguilles, là. Ils sont où tes paniers de crabes du coup? Ah oui, j'ai pas récupéré. Oui, là. Non mais j'ai remis. Il y a des lunettes dedans. Putain, il y a des lunettes, mais pour l'instant on a eu un journal déchiqueté, détritus et des lunettes quoi. Je les ai récupérées. Truc coûtait 1800 balles quoi. T'as mis un appât? Attends, j'en mets un appât. J'ai pas d'appât moi. C'est de la full beat ce truc là. Non mais faut peut-être le mettre ailleurs. Hein. Ah génial, il y a des bulles mais on peut pas les atteindre. Gros jeu hein. De merde. Gros jeu en tout cas. Bonjour, vous le ferons. Alors ce M-Event. Ah, les fonds, je sais pas. De toute façon, va falloir voir combien de pourcentage Xavier prend et combien va prendre les bénévoles. Putain, mais des algues, y'a rien en fait. Ça y est, c'est la nuit. Oula. C'est la nuit, Romain. Ah, c'est les anguilles. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Mais je sais plus. Oh, oh là là. Oh, il est ouf. Ah ouais, c'est peut-être une anguille, là, le truc qui est ouf vers moi. Oh là là. Allez, allez. Oh la saloperie. Saloperie. Oh mais... Oh, je me fais troller. Ah, la souris, c'est trop dur. Vivement. Putain. Je l'ai loupé. Oh, la souris, c'est casse-couille. Oh, c'est casse-couille. Oh, je suis encore exhausted. Ça fait 2 heures que je me bats avec cette merde. Allez. Mais quelle raclure, putain. Gère pas, reste frais. Oui. Oh, un grand concombre de mer. 48 cm, il est de... Oh là là, étoile d'or. Plus 225 d'énergie. Oh, ça doit valoir tellement cher. Ah, ça doit valoir très très cher. Ok. Oh, mais le concombre de mer, à mon avis, faut le mettre dans le truc là-bas. Oui, le story mode. Oh putain, mais on aurait pu se faire 3000 balles avec ça. Hein. Ah bah vas-y, fais-toi 3000 balles. Hein. C'est le tien de toute façon. Hein. C'est ton concombre. Non, mais moi je fais. Est-ce que tu veux ton concombre, mec? Je veux bien faire avancer l'histoire, moi j'ai rien contre. Hein. Non, mais c'est pas moi. Hein. Mais je sais plus où c'est où la maison. Moi j'irai plus tard de toute façon. Imaginez si vous avez un concombre de mer en parfait. Je sais pas, ça se squadé, Xavier? Ouais, oui. Ah ouais, mais il faut que je relance. Non, il faut que je relance parce que je suis revenu entre temps. Ah non, il y a plus. Mintos. Oh, c'est pas grave. Ah merde, du coup j'ai loupé mon poisson. Hein. Super. Hein. Mintos. Voilà. Une invitation. Et quand tu l'auras accepté, je ferai start squad. J'arrive, mais là il est véhément le poisson. Ah d'accord, bon bah je pêche. Alors. Ah, de toute façon, j'y vais après celui-là. Hein. J'ai pas envie de me faire baiser. Ah mais moi j'ai la canne à pêche de gueux, moi c'est pour ça aussi. Demain je vais acheter une canne à pêche en fibre de verre. Ah oui, achète l'autre. Mais ils sont où? Ils sont où les anguilles quoi, bordel? Moi je t'achète tout, je t'achète une robe, je t'achète une... t'achète une canne à pêche, je t'achète un sac de... Je vais piser. Je veux juste pêcher autre chose qu'une algue ou des lunettes. Putain, je déteste ce jeu de merde. Pardon. Excusez-moi. Ah. 23h40 j'y vais, hein. Je connais le jeu maintenant. Moi, je me casse moi. Ouais, c'est bon. Hein.
C'est pas un fantôme, c'est Mintos. Ah là là là, regarde, t'es passé devant les asticots. Ah ouais. Il y a un book. Oh, un bouquin. Il y en a un autre, il y en a un autre. Book. Book. Où ça, l'autre? Ah oui. De l'argile. Ah là, il y a celui qui a les longs cheveux, là. Il est bon, il est beau. Il est BG. Ah, il faut que je fasse gaffe partout s'il y a des asticots. Non, mais minuit 30, on va se faire baiser encore. Oh là là. Oh, l'histoire se répète toujours. Faut pas pouvoir niquer encore. Hein. On voit ça, de toute façon. Ça, j'ai tiré un trait dessus. J'ai tiré. Ok. J'ai tiré un trait dessus. Bah ouais, d'accord. Tu veux pas qu'on nique? On nique pas. Hein. Non, on niquera jamais, j'ai bien compris. On travaille, hein. on a un vrai métier. Hein. On n'est pas habitué. Hein. Tu vas encore niquer voilà, la... Non, mais tu vas niquer la fille de l'alcoolique, là, encore, là, qui vit dans sa caravane. Moi, je me casse. Hein. Je mettrai en vente demain. Non mais le concombre de mer, je suis sûr il vaut 5000, mais il faut voir si on peut faire avancer l'histoire avec, c'est trop rare. Non mais là on en trouvera d'autres. Non mais il est doré, il est étoile d'or. Ah bah raison de plus, faut mettre un normal là-bas. Ah mais il demande pas genre il faut que ça soit étoilé? Non, ils s'en foutent. Ah ils s'en foutent? Ah ouais non moi je le vends, c'est mort. Il y a certains trucs où t'as besoin d'avoir des trucs étoilés, mais là ça non. Hop, ça... Oh putain, merde, viens au magasin pour voir les nouvelles cannes à pêche que je vends. Ce sont les meilleures que l'argent puisse acheter. Et je peux les personnaliser avec différents types de matériel. Putain, je vais te donner la mienne, hein, je pense. Comment ça? Mec, très généreusement, je vais t'offrir ma canne à pêche. Avec la transpiration de Mister M dessus. Ça se refuse pas, hein. Sur eBay, ça se revend bien, je pense. Hein. Touché, touch by Mr. MV. Bah, si ça te dérange pas, j'ai pas arrosé, je dois me préserver. Si, arrose, moi j'ai plus de vie hein, déjà. Je dois me préserver pour la pêche. J'ai plus rien. Oui, bon, d'accord, j'ai. Moi aussi, j'ai. Je sais pas pourquoi j'ai de la vie en moins. Ouais, on se couche trop tard là, on fait trop. Mais qu'est-ce que. T'as replanté des trucs? Ah, bah ouais, je t'avais dit que j'en avais replanté 30. Et ça, c'est quoi? C'est les graines d'été? Ouais. Ah, je suis exhausted déjà. Ça s'appelle. Quoi? Mais tu peux pas aller t'acheter de la nourriture? Il y a pas des je vais chercher de la nourriture. Mais il y a pas un truc qui donne masse d'énergie au magasin ou un truc, non? Genre un café. Voilà, un café. Non mais un repas, il y a pas des repas qu'on peut acheter? On parlait de burger tout à l'heure. Ah, de Big Fernand. Attends, je regarde son écran parce que ça sera plus clair. Ah, cette musique est endiablée, incroyable. Vous pouvez faire de la bouffe avec les crafts. Pourquoi on fait pas de la bouffe avec les crafts? Parce qu'on est des cons, on sait pas faire. Moi, c'est tout fermé là. Moi, j'ai jeté un œil. Hein. Oh, je vais me pêcher des poissons. Mais quel craft? Un casse-croûte. Ah oui, avec un gland, une graine d'érable et une pomme de pin. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, mais on avait pas de pomme de pin. Comment ça? On avait pas de babette. J'ai deux glands, 11 graines d'érable. Ah, j'ai pas de pomme de pin. Minto, c'est décalé, mais oui, pour votre plus grand plaisir. Je suis son stand. Merci beaucoup. Ah, mais il a rien arrosé, mais quelle raclure! Regarde mon énergie en bas à droite. Ouais, mais moi, ce que je vois, c'est que tu pêches. Bah oui, mais j'essaie de pêcher un truc à manger. C'est bon, le M-Event est relancé. Je suis deg. Ah, bravo à tous. Merci Dame of Fly pour le Prime. Merci pour tous vos resubs, bien sûr. Je vous rappelle évidemment que les resubs ne sont pas... On ne compte pas dans la cagnotte du M-Event. Ouais. Ni les bits, mais... Ni les bits. Que les euros. Vous inquiétez pas. Hein. Dans le doute, laissez-nous faire. Ok. Ah oui, si, bien joué. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Viens avec moi. Mais t'es où? On va se faire une petite journée de plaisir, là. Non, mais d'abord, j'arrose, hein. Non, ouais, bah arrose. Ah non, ouais, il faut bien que quelqu'un le fasse, hein, j'ai bien compris. Arrose, et viens au centre-ville. Je vais être épuisé moi aussi. Putain, je le déteste. Quel blanc cul. Ah. Vous vous rendez compte? Xavier? Ouais? J'ai vu le rendeur, elle est pas contente. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je t'ai fait un gosse. Hein. Tu m'as pas fait de gosse, moi? Je t'ai fait un gosse. Hein. Enfin, j'essaie de te faire un gosse et. Non, mais t'essaies pas du tout de me faire un gosse. Que dalle. Fais croire. Ah! Aide-moi.
Oui, bon, ouais, on a baisé, ouais. On a baisé, je suis une femme comblée, ouais. J'attends, là. Je suis en cloque, j'attends. J'attends que ça sorte. Non, mais... Alors attends, mais putain. Non, mais il faut que je mange, là, je suis épuisé, je peux pas terminer d'arroser. On va se foutre cul nu dans l'eau, viens. Quoi, mais pourquoi? Mais quel intérêt? Ça y est, on va baiser. Ça nous rend notre énergie et on est plus malade. Sérieusement? Ouais, ouais, c'est une dinguerie. Mais pourquoi il m'a attendu, ce con, alors qu'il va mourir? Mais tu sais pas où c'est. Mais oui, mais j'aurais pu regarder dans... Oh, y a mon pote. Oh, c'est pas grave, il est parti. Il est parti, c'est pas grave. Ah mais le temps que tu te déplaces, j'aurais pu parler à mon pote. Hein. Mon pote le emo. Comment ça t'as des potes ça? Le emo, c'est mon pote, grave. J'arrive, hein. Ah merde, c'est... J'arrive. C'est venu. T'as pas un petit poisson là à me donner? C'est la saison des tomates. Et Démétrius, il dit que c'est la saison des tomates, hein. Ouais, mais on s'en fout, c'est pas... T'as pas planté de tomates, hein. Ah mais c'est pas lui qui décide. Ah c'est ça, ouais. On a planté 300 blueberries, c'est bon, on va pas planter des tomates en plus. Ouais, Minto, s'il m'a dit de pas planter des arroseurs automatiques, finalement c'est moi qui devais tout arroser, quoi. Putain, mais dis-moi où c'est, que moi je perde pas de temps et que j'arrose, quoi. Non, mais c'est tout droit. Et que je fasse de la pêche, quoi. Oh ah, putain, il y a une... fini d'arroser. Attends, lui dites pas ce qui se passe là. Lui dites pas. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, alors c'est où? T'es où? Mais mange un truc là, t'es tout. Mais j'ai pas à manger, j'ai pas à manger. Ah là, y a des asticots là, viens. Mais il est où? Je suis en haut, au-dessus de la maison. Là, y a un truc là, regarde à droite. Oh, donne-moi ça. Non! Oh, tiens. Non! Attends, j'ai un truc. J'ai un truc vieux, attends. Tiens, rien. Non, mais ça c'est mieux. Ouais, nique. Mais attends, c'est 35 le raisin. Putain, le mec, je lui donne un raisin, il fait le ouf, quoi. Il fait le ouf. Ah, c'est bon. Viens là. Ouais. Ah, d'accord, et alors? Ah, oui, les bains. On va au bain douche. C'est énorme. Hop. On va récupérer la santé. Je vais chez les femmes, hein. Ouais, vas-y. Mais alors c'est quoi? Il faut faire quoi? Bah là on est cul nu et puis on va récupérer notre énergie puis on pourra faire tout ce que... Ah c'est parti. Oh. Mais je récupère rien du tout là. Mais non mais descends. Bah, ah oui parce que là je suis dans l'épisautière. Je suis dans l'épisautière. Mais c'est qui ça? C'est toi? Moi. Ah t'as des cheveux verts toi? Y'a pas quelqu'un d'autre parce que j'ai peut-être pas peut-être envie de parler à quelqu'un. Peut-être envie de parler à quelqu'un d'autre quoi. Je suis un peu dessus là. Ah d'accord, si je bouge pas, ok. Mais c'est insane. Bah oui, c'est une dinguerie. Je t'ai dit que c'était une dinguerie. Ah là là, mais pourquoi on se fait chier à bouffer des anguilles et des dorades? Bah hop, c'est bon. On va où? On va à la mine ou on pêche? S'il vous plaît, faites des dons pour le sauver. Oui, s'il vous plaît, aidez-moi, regardez, je suis tout blanc, je peux plus sortir de chez moi. Je travaille trop. Je travaille trop pour un pauvre SMIC. Alors. Pendant que des gens comme Mr. MV ont 5 téléphones et ont un petit jardin, une petite madeleine de poche. Ça fait au moins 5 chiffres. Ah non, ça dépasse 5 chiffres. Ils ont un petit jardin. Vous récupérez plus vite dans votre lit, par contre, faut y aller un par un pour pas proc la nuit. Ah, on peut faire des siestes individuelles. Ah j'avoue, ça je sais pas ça moi. Et le temps il passe pas trop vite? Putain mais c'est insane. Bon allez, on va arroser là. Ouais, moi le lit en journée c'est seulement pour baiser vu que lui il va jamais me baiser. Quoi? Pardon? Ah merde, je reçois des messages. Ah merde, bah oui parce que j'ai pas répondu pour FF14 et l'argent. Salut, tu as pu voir mon message? Oui, oui. Oui, dis-le que je fais, moi. Minto, c'est chaud. Minto, c'est chaud. Je ne veux vraiment pas aller nager, si c'est ce que tu voulais me demander. Quoi, mais Minto, qu'est-ce que... Minto, c'est chaud, je vais le host. Ah. Ça devrait être très facile pour toi. Ah, je vais flatter à Maru, tiens, voilà, je vais me taper une meuf, ça sera plus, non, ça sera non, plus sympa. Non, pas de meuf. Ah, c'est bon, hein.
Oh non, on va se faire du ciseau tranquille entre lesbiennes parce que cette relation hétéro là, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Et moi, je vais faire quoi moi? Bah, tu penses pas, à moi? Je sais pas, tu vas. Pense à mon cas. Tu vas te frotter la nouille en en plantant tes poireaux quoi. Hein. Ah, d'ailleurs, faut terminer d'arroser. Et tu as terminé d'arroser, hein, parce que là, j'ai quasiment tout fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire, putain. Elle me dit ça alors que je suis en train d'arroser, quoi. C'est un ciseau, putain, j'en peux plus, tu vois. Ok. J'en ai marre. On fait que mal me parler, quoi, alors je fais tout. Je fais tout mon possible. Ce qu'il faut pas entendre, ouais, je préfère ça. Bon bah je vais me taper qui moi. Il fait tout son possible mais il fait pas grand chose quoi. Oh là là, c'est le coin du brochet ici madame. Je vais me trouver une nouvelle qui. Une nouvelle go. Ça devait être Lana single quoi, j'en ai marre. Je vais me taper Gus moi je crois. Allez. Le maire. Emily. Ah non, Emily elle prend des champignons. Ah oh, putain. Je vais aller voir Demetrius. Ouais, je vais me faire mon bel enfant métis. Moi, je vais me taper le jeu, je crois. Sur son chauffe-fauteuil roulant. Je sais pas, moi. Mais j'ai vu personne en plus. 69 cm. C'est un signe. Allez hop. Ailey, elle est folle. 20h. Ailey, c'est laquelle? C'est la Barbie Girl? Ouais, c'est la blonde. Ouais, la blonde. Garantie. Hein. Je crois que j'avais tenté dans un playthrough et elle était folle à nier. Ah. Non, c'était laquelle qui prenait des champignons et qu'elle voyait des trucs, elle voyait des ovnis, alors je sais plus. C'est pas celle aux cheveux bleus. Le cheveu bleu, oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. C'est vraiment elle en plus. Ah, je vais aller voir Ailey, je crois. Non, faut qu'on ait un enfant, c'est trop tard, bordel. Pour acheter la... Mais comment t'as, eu l'enfant sur ton autre partie avec, avec Zul? Ben, on allait dans ma ferme level 3 là et on a. On a Nick. Et voilà. Mais c'était possible parce que ta ferme était niveau 3 ou juste parce que vous aviez. Ma ferme était niveau 3, ouais. Ah, c'est juste pour ça que c'était possible. Ouais, mais on peut aller vite fait voir, hein. C'est débile cette histoire. Je te join sur ma partie. Ah, mais non, mais moi je veux qu'on nique dans la ferme ta gueule. Même tu peux faire un truc. C'est ma ferme. Tu peux aller sur ma partie et tu peux sacrifier l'enfant de Zul. Oui, mais non, mais là, je sais que là. Mais ça n'a aucun intérêt si on peut pas ramener l'enfant à la ferme ta gueule. Ah, on peut essayer de le faire ramener à la ferme ta gueule. Ah non, moi je veux le gameplay enfant quoi. Okay. Bah, tous ces brochets, et c'est la folie hein. Bah ouais, c'était des embrouilles parce qu'il fallait un anneau de mariage. Mais l'anneau de mariage, j'avais pas les composants, du coup il a fallu tricher. Oh là là. C'est des démarches, hein, mais dans 6 ans quoi. Non! Oh. J'avais tellement envie de ce coffre, il fallait que j'aste un peu plus sur le poisson avant d'y aller. Un alibi. Ça n'apporte rien du tout. On rigole, hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir l'enfant. Hein? Une fois que t'as le gosse, t'en fais quoi à part l'élever? Je sais pas, t'en fais quoi de ton gosse? Non mais dans ton jeu de mort, dans Sardou Valley. Bah tu fais pareil. Putain. J'étais pas là, j'étais... Non, merde, elle est là. J'ai rien dit, Jules. Je croyais qu'on jouait aux jeux vidéo. Je croyais qu'on jouait aux jeux vidéo pour s'évader, quoi. On a dit qu'on allait voir ton enfant. Je suis deg. Ça mord. Alors cette fois-ci, j'y vais, hein. Vas-y. Oh, c'est de la bite. Non, mais non. Putain, mais j'étais tellement bon, et là, ça fait deux coffres qui me passent sous le nez. Enfin, va falloir... Allez, un vrai poisson avant de dormir, par pitié, là, j'ai trop fait de la merde. Ah si, Flo 13. Ouais, ça, 100 bits, 500 euros. Ah, je verrai, ouais, j'ai même pas le parfait, quoi. Ah non, c'est minuit! Oui, j'ai vu. Non, on s'en fout, maintenant, on a la technique des bains. C'est minuit, mec! Oui, j'entre. Non, mais moi, j'entre comment, moi? Ah bah, si, toi... Il est où, lui? Oh, ah, oui, mais t'es à la plage. Ah, mais oui, c'est vrai que la nuit, on était censé... T'as chopé ah ouais, le... On va se coucher avant 1h du matin. Le panier de crabe, tu t'en as occupé? Non. Quoi? Oh, j'ai rien dit, le rendeur t'énerve pas, hein. C'est bon. Il y avait les lunettes? C'était aujourd'hui qu'il y avait les lunettes ou c'était hier? Je sais pas, non, c'était hier, il y avait les lunettes. Et là, t'as rien... Oui, c'est bouffe. Merci. Je le déteste. Quoi?
quoi? J'ai fait quoi encore? C'est ton panier de crabe aussi là, tu t'en occupes pas. Merde, je devais vendre le reste, mais j'ai envie de me coucher. Ah non, putain, voilà, il y a le truc. Si j'avais pas mis mes trucs à vendre, j'aurais pu me coucher correctement. Putain, mais quel connard. Si j'avais pas mis mes trucs en vente, quoi. Pourquoi pas de Z-Event pour moi cette année, Xavier? Hein? Pourquoi je suis pas au Z-Event? Mais qu'est-ce que j'en ai à branler, moi? Je sais pas, les gens ils me demandent, il faut que ça me demande, moi. Puis, ah bah dommage. Ouais, dommage. Dommage. C'est ainsi, hein. Je sais rien. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'il y a déjà Mister MB, il n'y a pas besoin d'en avoir un deuxième. Quoi. À lui sucer le derrière. Ah, merci Monsieur Tombou qui offre 5 subs pour le M-Event. Yes. Merci beaucoup, merci pour lui. Ah, merci pour moi. Merci pour lui, c'est important. Mais je suis encore épuisé, quoi. Félicitations aux nouveaux subs. Félicitations aux nouveaux subs qui pourront renouveler leur sub offert par Monsieur Tombou à moitié prix. Nique ta. Ah oui, putain, oui. Hey, regarde, y a un mec qui dit nique ta grand-mère PD. C'est-à-dire que ça existe encore, les enfants de 12 ans. C'est pas gentil ça. En hein. Misère Attention. Sexuelle, qui insultent avec des PD en deux lettres. Bon, bah, bonne journée, au revoir. Ah, mais attendez, il avait trois messages. C'est-à-dire qu'avant, il a dit des trucs. Ah non, alors, à 8h33, il a fait plein de caractères bizarres avec des accents. À 8h34, ouais. Il a dit Mociolo. Ouais. Et donc à 17h37, il dit nique ta grand-mère PD. Ah bah ça a dégénéré. Bah bon courage, hein. Bon courage pour trouver un emploi, quelqu'un avec qui vivre, et des amis. Au revoir. Alors. Bon alors on en est où? Ok. Ok. C'est bon, on peut arroser. Incroyable. Bon, t'es sûr que tu veux pas aller voir mon enfant On a la commu qui mérite, qui a pas. La commu qui mérite. C'est bien les messages tout faits comme ça. Ça c'est bien. Ça pavillit, hein. Ça pavillit. C'est trop bien. Franchement, l'historique du chat, c'est vraiment le meilleur truc qui est. Hein. Vous pouvez faire slash user et le nom de la personne et vous voyez tout ce qu'elle a écrit sur le chat où vous vous trouvez. Donc c'est incroyable. Comme ça, quand on banne à quelqu'un et qu'il dit « Ah mais non, mais c'est dégueulasse, j'ai juste fait une petite boutade rigolote. » Et puis on remonte son historique et on voit qu'il a dit « Nique ta mère, je vais retrouver ton père et le brûler. » On dit « Ah, quand même. » Finalement, on va peut-être te bannir 8 ans, quoi. Supplié. Et Francis Phoenix. Ok. T'es sûr que tu veux pas voir mon enfant légitime? Ah non, non. Okay. Moi, j'ai une requête qui était très simple. Hein. De quoi? Ah, moi je voulais qu'on me baise. Ouais, bah. Je peux pas. Hein. J'ai déjà baisé quelqu'un, on peut pas baiser de. Personne. Putain, c'est fermé, ça ouvre à midi! Essaye. Non, mais on s'est encore couché à 1h10 du mat, on est épuisé. T'es allé au bain là, c'est ça? Non, je vais me chercher à manger là, mais. Ah, moi je vais aller au bain douche, hein. Spoiler, hein. Tout ça poil. Hein. Mais par contre, ça a commencé à se voir, même sur la vidéo YouTube, que tout ce qu'on a fait, c'est se baigner et pêcher. Oui, oui, oui. Pendant une heure. On va peut-être devoir annuler le M-Event, là, parce que je reçois plein de messages, là. C'est long, hein. C'est quelle heure, là? Oh, putain. Mais déjà? C'était le téléphone de ma meuf qui marche plus, quoi. Ah non, mais c'est un jeu chronophage. Je m'en souvenais. Je m'en souvenais que malgré le fait que c'était lamentable, le temps passait vite. C'est incroyable. Vraiment, ce jeu. Midi pour m'acheter un casse-dalle, quoi. Génial. Quoi, ça ouvre à midi? Ouais. Mais c'est nul. Alors que les bains, c'est ouvert déjà, je suis sûr. À combien de dons je commence la clope, moi? Je sais pas. Yes. Je sais pas trop, hein. Faudrait voir. Putain, ouais, c'est moi qui bosse comme un esclave, hein, c'est vrai en plus. J'avoue, je pourrais aller au bain en fait. Ah oui, c'est vrai. Tu pourrais te prendre une petite blonde au PMU. Ouais. Pendant que j'arrose tes putains de plans. Au lieu d'attendre devant le PMU que ça ouvre. C'est-à-dire que quand même, hein, j'ai fouillé les il m'a fait fouiller les poubelles comme premier date. Ouais. J'arrose ses plantes de mort, on va à la fête du village, il me laisse habillé dans une salopette de clodo. Ouais.
Donc j'arrose pendant qu'il va au PMU et je me fais jamais baiser. Et après, le mec comprend pas que je suis pas content. Et t'es encore là. Ouais. Pourquoi, hein, tu vois. Ouais. D'abord. Ah, Sauvelo, hommage. 3 millénaires, c'est insane. Ah. Sauvelo de Speed Game. Et le Speed Game. Bien sûr. Allez, allez, les bains là. Direction les bains douches. C'est parti. Petite bouteille de whisky à 150 balles. Mais c'est pas là. C'est pas là les bains douches. Qu'est-ce que je fous là? Tout en haut. Et ben on va faire une fourche, c'est vrai. Non, c'était en haut là. Ah oui, non, mais c'est super chiant en fait. Bah oui, c'est un peu loin, c'est pour ça que j'attendais devant le PMU moi. Ah voilà. C'est bon. CLS gratuit sur l'Epic Game Store. Ah oui, c'est vrai. Prenez-le, hein, prenez-le avec le code créateur MrMV. Ça sert à rien parce qu'il est gratuit, mais ça me procure beaucoup de plaisir. Oh. J'ai jamais mis en avant mon code créateur et j'ai jamais contacté Epic parce que j'ai mis Angleterre au lieu de France par erreur. Mais je vous avais déjà expliqué, c'est un enfer de contacter Epic Games pour le code créateur. Chaque fois que je veux changer un truc, il me demande mon groupe sanguin, les 8 dernières IP que j'ai utilisées pour me connecter à Epic Games, c'est du délire. Oh, c'est chiant. Donc on veut juste faire de l'argent. Alors que moi, voilà, moi je veux juste gratter, moi je veux juste prendre le chèque et me barrer. Je suis pas là pour sympathiser avec eux. Je suis partenaire GOG, moi, je veux dire, j'ai une éthique. Mais mon code créateur, c'est MrMV. Hein. Génial. Si vous, t'as oui, t'as un code créateur, du coup. Ouais. Si vous avez précommandé Borderlands 3, bah, décommandez-le et reprécommandez-le avec le code. Hein. C'est pour le M-Event, c'est pour Mintos. Ah, c'est pour moi. Ouais. Je recevrai 1 centime. 10 centimes par Borderlands 3. Prochain jeu gratuit, The End is Nigh. Ah putain, j'avoue, c'est mes jeux. Et au tout début, il y avait Meat Boy aussi. Ils ont tout racheté. Bah là, il y avait Alan Wake. Et il y a Fez aussi. Il y avait Fez là tout récemment. Ah bon? Ouais, Fez, il était gratos. C'était bien. Il y avait Alan Wake là et For Honor, moi, quand je l'ai pris. C'est gratuit. Alan Wake, For Honor. Pas mal. Je vais faire péter la géode. Grand jeu, Fez. Hein. Je l'ai jamais vraiment terminé, mais pour vraiment terminer Fez, faut vraiment tryhard à mort là. Faut s'intéresser après à l'alphabet et compagnie. Grand jeu tout de même. Et grande bande son aussi. C'est vieux comme jeu maintenant ça. Fez, oui, ça date. Pas de. La grande 2011 époque, non, peut-être pas, un, non, un peu plus. De projet commencé en 2011, mais. Enfin, bien avant, mais. C'est vrai qu'il a mis du temps à sortir. Hein. Il y avait la vraie passion, quoi. Ah, on a un tableau. Ah mais oui, moi je voulais m'acheter la canne à pêche et te filer la mienne, à moins que t'aies dépensé et que t'aies déjà acheté. Bah non, j'ai pas acheté. Donc moi je vais voir ce qui se passe, hein. Je vais voir ce qui se trame. Hein. Et du coup, j'en achète une ou pas? De quoi? Bah si je prends l'autre, non. Tu prends l'autre? Ah bah ouais. Bah donne-moi l'autre. Oh, non, si elle vaut moins de 16 000, je la prends. Quoi? Eh, hey, y a des crevettes dans notre panier de crabes. Attends, je vais voir, donc il va faire une connerie. Ah, le leurre. Sa forme le fait tourner dans l'eau, augmente légèrement le taux de touche quand on pêche. Mais il faut en placer un ou c'est une fois? Non, c'est une fois, non, ça vaut 500 balles. Ne se prononce pas. Ah, il y a une crevette. Non! Oh, j'ai vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu, les 8000 balles. Une canne en iridium, juste avant qu'il ferme. Ah, tu peux pas l'acheter, il vient de fermer. Oh! Donne-moi l'autre. Attends. J'enlève mes appâts quand même, on n'est pas des animaux. Oui, attends. Ah mais comment je te la donne? Ah merde! Mais tu la mettras dans mon coffre. Ah oui, c'est ça? Ouais. Je peux pas te la donner en main propre. Mais moi, ce que je veux voir, c'est le leurre. Et le leurre. Le leurre, c'est pour toujours, c'est pas une fois. Ouais, y'a des bulles, là. Je sais pas. Mais vas-y, c'est quoi cette canne à pêche, là, de vendue? Ça mord. Oh les salauds, oh, tant pis, je prends le coffre, tant pis pour le parfait. Je trouve une merde. Je vais faire Alan Wake, moi. Oh, un rouget. Et un coffre. Je vais jouer à Alan Wake. Avec une géode. C'était déjà bien l'enfer, hein. Les 10 minutes que j'ai pu faire entre l'entracte. Oula. Ouais, j'ai vu un peu quand je suis revenu. Oh, cette canne en iridium. Oh, mais un tuna.
Ouais, je sais. 97 centimètres. T'as des tunas alors que t'as une truc à 8000 balles, quoi. Bah ouais. Mais avant, j'ai le rouget. Et j'ai un journal trempé. Ah, mais faut aller chercher la crevette. Oh, c'est ta crevette, hein. Moi, j'y touche pas. Mais putain, mais c'est... La bite. Oh. Ah, t'as le rouget aussi. C'est le rouget. Oh là là. Badagri. Ogun Badagri. J'ai envie de rejouer à Gabriel Knight en ce moment. Ah, bonjour. Mais faudrait que je me... Vas-y. Mais j'ai fait le 1 il y a pas longtemps, mais ouais, le 2 ça fait longtemps, mais le 3 aussi. Le 3 j'en parlais beaucoup, mais avant la version Windows elle buguait tout le temps, mais maintenant il y a un build sur GOG qui marche a priori. Ah, je crois que Will Smith avait essayé de le faire, le build de GOG, et ça marchait pas non plus. Ah ouais. Non mais c'est vraiment un terrible, hein. C'est un jeu qui était fait pour vraiment pour tourner sur le Windows 98 pourri ou je sais pas quoi, mais il bug à l'infini quand on essaie de le faire tourner sur un Windows moderne. Bah, la dernière fois que je l'ai fait, c'était pour le nouvel an, moi. Ah, le 2. Ouais. Grand jeu. Où j'avais eu la bonne idée pour faire le stream du nouvel an, de me pinter à tous les changements d'horaire. Ah, bien. À tous les canaux horaires. Oh là là, oh, c'est vénère. 12h, j'étais mort. Oh non, je vais me faire trop les 8 ans. J'ai trouvé un concombre. C'est un concombre des mers, c'est sûr. Non, 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 putain. L'enfoiré. Fumier. Oh, c'était un concombre des mers, on allait se faire des couilles en or. D'ailleurs, aujourd'hui, on va savoir combien coûtait le concombre des mers, c'est ça? Je l'ai mis ce matin. Oh, j'en ai encore un, je crois. Oh putain, c'est horrible, c'est horrible. Il me troll. Enfin, je sais pas si c'est plus simple à la manette, mais là... Je me rappelle, Zul, elle m'avait récupéré à 12 heures de jeu, à 12 heures de pintage, j'en pouvais plus. C'est pas la meilleure vie, hein. Concombre. Oh, concombre. GG. Infernal. Un calculateur. Mister MV. Bien sûr. Il y a un pourcentage à moi. Enfin... D'accord. Bon, j'ai pris 12 000 poissons, hein, dans le doute. On va retrouver des bubules. Ah non, faut que j'aille récupérer aussi la crevette. Bon, après ce poisson là, après ces déchets là, je vais récupérer mes shrimps. Et le leurre il reste. Ah, faut que tu t'achètes un leurre, hein, aussi. Ouais, mais j'ai pas le truc qui met. Je peux pas mettre de leurre sur ma canne à pêche là. Ouais, mais je vais te donner l'autre. Ah, mais l'autre tu pourras ou pas? Oui, il y a deux. Ah non, il y a un slot. C'est tu choisis le leurre ou les appâts, d'accord. Ou sinon tu t'achètes l'iridium YOLO, hein, mais. Et je la vois se plaindre sur ton chat. Ah bon? Attends. Ouais. Fumier. Qu'est-ce qui se passe? Ah, si on est enfant, on l'a appelé Marfa, je suis une femme trahie. Elle se plaint. Ah. Elle se plaint. Marufa. Marfa. Mori. Elle va encore me faire passer pour le pire dégueu. Mais il était blanc, votre enfant? Vous avez fait du whitewashing de Marfa? Non, on va pas rentrer dans les détails. Ça commence à faire beaucoup après la blackface qui m'a fait au début de stream. Non, il y avait beaucoup, beaucoup de luminosité. Ok. Très bien. Commence à faire beaucoup, hein. Oh, il est véhément. Fumier. Ah, c'est un gros concombre des mers, ça. Si ça se bat, c'est un gros concombre des mers. Oh, bah tiens, d'ailleurs, oh là là, mais non, mais j'ai même pas pu. J'ai même pas pu lutter, quoi. Et il est minuit. C'est minuit, mais il me le dit pas. Mais non, putain, allez, je me casse, hein. On va encore devoir aller au bain douche, quoi. Oh putain. Le clodo il va pisser dans la baignoire là. Fais chier. Et on n'a pas. Non, y a pas moyen, on peut pas avoir une trottinette, un truc pour bouger plus vite là. Faut des mods. Ah ouais, bah y a des mods. Ah putain, on aurait dû modder le jeu, quoi. Ah bon, on peut tricher. Oh là là, et voilà, on va se coucher à 1h plus. Ouais, merde, génial, super de la merde. C'est de la grosse merde. Bon bah du coup je mets les trucs à vendre. Ah, oh, j'aurais dû jouer à World of Warcraft. Non non, mais là tu peux y aller là. Non mais 1h du mat, voilà. Va dans mon lit. Oh non, jamais. Bah voilà, bah alors. Qu'est-ce que tu plains? Mais la dernière fois que je suis la seule fois que je suis dans ton lit, j'ai récupéré que la moitié de mon énergie. C'était nul. Ah mais c'était peut-être parce qu'on s'était couché trop tard. Bon, ok, j'essaye. Prochaine soirée j'essaye et intérêt à ce que tu me niques. Attends, je regarde. J'ai l'impression de recevoir plein de messages là. T'es où ?
Ok. Il y a la meuf qui arrive bientôt, hein. Je sais pas que ça va foutre, moi, de... On va arrêter là. De jouer à des jeux, hein, des jeux à la con. Quelqu'un. Pourquoi ? Attends, il y a des trucs qu'on a pas arrosés. Pourquoi il y en a qui font la gueule un peu et qui sont bizarres ? T'as pas tout arrosé ? C'est une blague ? T'étais pas retourné ? T'étais pas revenu ? Oh là là, pourquoi ? T'as pas arrosé ? Mais comment ça, je t'ai pas arrosé ? Je l'ai fait que ça et ensuite je t'ai dit je vais au bas parce que je t'ai crevé ! J'avais dit, je t'ai dit, quand je suis allé me baigner, je t'ai dit bah. Ah non, non, je crois que c'est pas biaisé. Ah non ! Je t'ai dit, après, c'est toi qui arrose, parce que j'avais déjà arrosé à 60... enfin, les trois quarts du truc, quoi. J'avais tout... C'est dingue, c'est une dinguerie, cette histoire. Qu'est-ce que t'as fait ? Mais non, mais j'avais dit que j'en ai plein le cul, que j'arrosais tout, alors que toi, voilà, tu touchais la nouille, et t'es allé au PMU, et je t'ai dit, moi, je vais au bain, et une fois qu'on a notre énergie, toi, tu vas terminer l'arrosage, comme la dernière fois, quoi. Putain. C'est nul. Mais alors, on va les récupérer, ou ils seront de mauvaise qualité, ou c'est mort ? Bah, ceux que j'ai baisés, non, hein, mais... Les quoi restes, je pense que oui. Celui qui est jaune, là, c'est baisé ? J'en ai éclaté deux ou trois. Hein ? J'en ai éclaté deux ou trois, donc bon. Pourquoi t'en as éclaté ? Parce que j'ai cru qu'ils étaient baisés. Mais c'est ceux qu'on a eu gratuits, ça va. Je peux m'énerver. Non, j'y arrive pas. Baise les plantes, il dit que c'est moi. Quoi. Au moins les plantes, elles se sont fait baiser, quoi. Ok. Putain, mais quel enfer! Oh là là, c'est long, c'est tellement long. Ah, mettez les arroseurs. J'avoue, attendez, je vais regarder, hein. J'ai jeté un coup d'œil quand même. C'est quoi les arroseurs ? Arroseurs, lingots de cuivre, lingots de fer. Arrose les 4 carreaux adjacents chaque matin. Ah, c'est nul ! C'est nul, mais pas vraiment. C'est juste, fallait y penser avant, quoi. Ouais, puis il faut en faire 1000, quoi. Voilà, faut en faire 1000, mais en s'organisant avant, ça se faisait, en fait. Eh, mais t'es une raclure de bidet ! La bague de mariage. Ah, mais j'ai un lingot en iridium, je crois. La bague de mariage, on peut la crafter. Réduit la moitié de la durée des effets négatifs. Ah, on peut aussi faire une bague solide. Mais la bague de mariage, on peut la crafter. Mais il faut 5 lingots en iridium et un tesson prismatique, c'est cher. Ouais, c'est cher. Le tesson prismatique, c'est vénérable. Mais tu pourrais me demander en mariage. My body is ready. Faut que j'aille au bain, là. D'accord. Merci, Waze. Merci, Waze500 et Phoenix of Age et J-Rum pour le M-Event. Ah oui, t'as canne à pêche, tiens. Ah si, c'est bon, tu l'as donné. Ah non. Non, je l'ai pas donné. Je la mets dans ton nouveau coffre. Tu l'as mis où ? Dans l'autre coffre. Ah. Tu es brave, mon cher. Très bien. Attends, faut pas déconner. Hein. Je vais filer quand même le trident, hein. Niveau 11, incroyable. Alors ça fait quoi si je vais dormir dans mon lit, moi ? Ah, c'est ce que je m'apprêtais à faire, parce que je vois que quand j'aurai terminé l'arrosage, je serai épuisé totalement. Ça marche pas. Bon, je vais comment ça marche pas ? C'est pas marché. Ça te dit quoi ? Ah, que il attend, non, faut que t'attendes l'autre joueur. Ah. Et bisous, Cibou. Bonne journée. Ah, Cibou. Et bisous. Et oui. Énorme. Bon, faut que je fasse venir Cibou chez moi. C'est des démarches. D'accord. Pour faire les interviews. Ah oui. Les interviews à la maison. J'irai streamer chez vous. Ouais, et le grand concombre là, il est pas étoile. On le met au musée de ses morts là ou quoi ? Ouais, mais on va aller au musée là. Ah merde, le rouget, j'ai mis le rouget à vendre. Hein. Mmh. Ah, j'ai déjà la crevette, je la vends ou ? Parce que la crevette, elle donne pas de vie en fait. Ok. Viens avec moi avec ta crevette là. Ok. On va aller le déposer. Mais c'est où ? C'est au-dessus, là. Ah, mais j'avais des géodes aussi. On ira aux géodes après. Attention. Ah, mais bah, faut que j'aille au bain, donc ça tombe bien que ce soit au-dessus. C'est là. Attends, il y a Démétrius, je vais lui parler. Hein. Je pense que lui, il va me baiser. Non, parle-lui pas, là. Faut juste se mettre dans le lit et ça monte doucement. Ouais, mais là, le problème, c'est que ça fait attendre de l'autre joueur.
C'est quoi ça? Paquet quasi à crabe. Ah, une crevette! Voilà. Mais je le mets où? Ah, on doit mettre. Ah, mais une palourde, j'en avais plein si j'avais su! T'as merdé? Faut juste mettre 5 parmi les 10 en fait, c'est ça? Comment ça? Il me montre 10 trucs, mais il n'y a que 5 emplacements. En gros, il faut réussir à en mettre 5 parmi les 10 trucs qu'on oui. nous montre, quoi. Oui, oui, oui. Putain, mais j'avais une huître aussi. On l'est trouvée sur la plage. Huître et pas lourde, ça se trouve oh. sur la plage. Dorade. Pourquoi on n'a pas mis la dorade et le doré jaune oh. On aurait pu déjà... Oh je te l'ai dit. Mais carpe et achigo à grande bouche et barbotte et... Mais qu'est-ce qu'il prend, le mec? Il pêche rien ou quoi? Je te l'ai dit de mettre les poissons. Poisson spectral, poisson de forêt. C'est où qu'on a accès à la forêt? Ton sardine, vivano rouge, tilapia, j'en avais pris un, mais il se fout de ma gueule. Et il n'y a pas le grand concombre, oh là là, bah ça super. Ah super, eh ben super. Hein. Oh bah super. Oh, le bras cassé, non mais sérieusement, c'est pas correct. Oh. Et là, c'est quoi? Alors finalement, je pense, je vais pas en voir la couleur. Ah mais il y a artisan, oh là là, mais il y a plein de trucs, parce qu'il y a la pêche, il y a les récoltes. Oui, il y a mille trucs à faire. Et tu t'es occupé de rien en fait. Mais d'où? Et toi? Je croyais que tu connaissais le jeu, le mec a une ferme énorme. Bien sûr, avec mais des... je vais pas tout faire à ta place. Mais c'est ridicule. Voyons. Oui, mais c'est pas que tu vas pas tout faire à ma place, c'est que t'as rien fait surtout. Comment ça, j'ai rien fait? Oh, mais non, il y avait une carotte des cavernes, j'aurais pu la mettre avec le champignon oh rouge. Champignon rouge, j'en ai un dans ma caisse, mais là, si j'avais su la carotte, j'aurais. Oh là là, j'en ai plein le cul. Je vais looter tout seul au donjon, hein, je pense que ça. Va au donjon, ouais. N'avancera plus, hein. C'est intolérable ce qui est en train de se passer. On aurait pu remplir plein de trucs là. Il y a encore un truc à droite là, c'est quoi ça? Oh. Des slimes, des ailes de chauve-souris. Pourquoi on n'a pas mis ça? 99 slimes. Du quartz. Bah, on le mettra plus tard. L'arme gelée, cristal de terre, mais on l'a eu 1000 fois ça. Mais on les aura après. On les Et aura les lingots après. Oh là là, non, non, oh. Alors là, non, non. Oh, moi je me cache, je vais me taper le clodo. Oh, il a rien mis quoi. Le mec connaît le moi, jeu. Clodo. Le mec connaît le jeu, il a rien mis. Mais en plus, les récompenses sont insane. Oh là là. Ah, non, ok. Et moi, demain, je passe toute ma journée à remplir ce truc là. Hein. Ah, il y avait vraiment un espace pour le concombre. Vous êtes pas en train de me troller? Putain, je l'ai pas vu. Hein. Ah, parce que à gauche, on voyait le concombre, d'accord. Ah, mais si, il y avait un. Tout ce qui était illuminé à gauche, ça veut dire qu'on pouvait le mettre quelque part. C'est ça? Je te réponds plus. Toi non plus, j'ai rien mis, mais si, je viens de mettre. T'as réponds plus, toi t'as rien mis, toi. Ouais, c'est ça. Mais je peux mettre une géode? Non, mais ça n'a aucun sens. Non, ça c'est pas ça. Là, y a pas de concombre. Là non plus. Là non plus. J'ai fait, idiot. Y a pas de concombre des mers, qu'est-ce que vous me racontez? Faut que ça soit là. Que ça soit proposé sur la droite. Oh, il y a un bout de bois, quoi. Quelle merde. Bon, je vais pêcher, moi. Ils disent de la merde. La pêche. Ils disent que de la merde. T'as la liste de la collection dans ton inventaire. Comment ça? La collection, ouais. Ouais, mais pas lourd. Non, mais ça, on s'en fout. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste la collection générale. C'est l'arbre à droite. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Voilà, c'est ça d'écouter ton chat. Hein. Le mévent. Icône arbre orange. Bisous. 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 Je vois pas de quoi tu parles. Attends, ils me disent icône arbre orange à droite. De quoi ils parlent? En bas de la croix. À droite. Hein? Attendez. Dans mon menu à droite. Ça? Ah, le centre. C'est ça, le centre communautaire. Ah oui, d'accord. Ah, récompense, réparation du pont. Oui, mais d'accord. Mais ce que j'essaie de vous dire. Mais il n'y a pas de concombre de mer. Hein? Kikidi? Donc, vous m'avez fait chier pour rien. Lorsque tu auras rempli d'autres bundles, tu en débloqueras d'autres. Et à un moment, je pourrai mettre le concombre. Garde le concombre. D'accord.
Il est déjà 19h50, et ben super, hein. Grosse partie. Hein. Super. Gros jeu. Toi, t'as parlé à ton chat. Tiens, elle m'aime bien déjà, je lui parlais. Tu regardes les étoiles, non, c'est vraiment bien. Tu veux pas qu'on se broute le minot? Ok, j'ai pas. Hâte de parler aux gens. Là. Je suis vénère. Putain. Si tu crois que tu parles aux gens et que je vais vouloir te niquer. Moi, c'est elle que j'ai envie de pécho. Hein. Moi, c'est bon. Hein. Romain, je l'ai oublié. Hein. c'est bon. Encore un qui m'oublie. Ah, super. Merci. Hein. Même pas foutu de s'agiter la nouille. Hein. Voilà. C'est bon. Voilà ma vie. Ma vie, elle est dégueulasse. Personne n'y pense. Ah, super. Génial. Je resterai avec les chiens toute ma vie. Le mec me fait arroser pendant 6 heures hein, ses plantes de merde, hein, fouiller des poubelles. Et met 1% de M-Event. Même pas un début de préliminaire, quoi. Super. Bon, il est où le concombre là? J'ai pas de concombre moi. Ok. Moi je fais plus d'efforts, ça y est, c'est fini. Merci Skynello pour le Prime, Evaisen. Merci, hein. Merci pour lui. Hein. Je vais continuer à me fantomiser. Je peux pas me fantomiser plus. C'est vrai. Attends, je vais augmenter un petit peu le contraste, mais ah pas. Ah, mais moi je peux le faire, hein. On peut tout faire ici. Non, hein. Mais refais pas la blackface par contre. Hein. Et c'est toi qui avait créé la blackface en ajoutant à fond la ta luminosité justement. Ta luminosité, ah, c'est ma faute. Un peu plus fantomatique. Aniki, Mintos Aniki. Incroyable, c'est le M event. Hein. c'est le rush Sardou Valais. À l'année prochaine hein, pour. On se croirait sur le game. C'est vrai qu'il y a un peu une vibe level 1. Ah, Marcus. Marcus, les petits amis. Ah. La PlayStation. Marcus, attention, en fait, ami de la chaîne maintenant. On s'est raid mutuellement. Ouais. Putain, je suis à 1 de Marcus. T'es à 1 de Marcus. Si un jour tu m'avais dit ça quand j'avais 12 ans et que je regardais. Mais je t'avais dit non que je m'étais retrouvé. Je m'étais retrouvé dans le la cale d'une péniche avec Marcus pendant 1h30. Vous avez dit ça non. Ou pas? Non. Parce qu'on avait fait un truc super cool avec des étudiants. Des étudiants qui... Des étudiants développeurs. C'était une initiative où en gros... ce sont des gens qui peuvent changer totalement, drastiquement leur métier ou leurs études. Et ils ont c'est une formation payée. C'est pour faire du développement de jeux vidéo, le Samsung Event, ouais. Ça, le Samsung Campus. Et du coup, ils invitent des gens qui potentiellement ils aiment bien, ils sondent un petit peu avant. Et là, ils avaient invité Marcus qui était déjà venu une ou deux années avant. Et moi, donc. Et du coup, il fallait être planqué. Donc, on s'était planqué au début. Et du coup, on s'est retrouvé à discuter 1h et quelques parce que il fallait pas qu'on nous voie. Donc, voilà. Et donc c'était super sympa, c'était super intéressant de parler avec lui. Oh bah il a l'air incroyable Marcus. C'est un daron surtout, daron du game. Hein. Le premier let's player, on est tous des ersatz de Marcus. Moi c'est presque carton plein Marcus, à part... Eh mais attends, mais je vais me coucher à plus d'une heure à cause de toi parce que je suis en attente d'autres joueurs, c'est ça? Non, 1 heure, petit poil. De toute façon je suis full énergie vu que j'ai fait les bains. Ah, regarde, la vente du concombre de mer. Ça passe pas inaperçu, ça. Hein. C'est beau. On va parler l'épisode de la Police Station que j'ai trouvé un peu limite. Marcus, c'est mon petit beau frère. Ah, Marcus, non, mais Marcus, en vrai, il a fait plein de trucs qui étaient un peu limite au niveau de l'humour, au niveau de plein de choses. Hein, mais c'était une autre époque. Hein. Ouais. Mais c'est quelqu'un de foncièrement gentil, oui. Mmh. Merci, Jo541 pour des minutes, quoi. Tu es un daron aussi maintenant, c'est vrai. C'est vrai que t'es un peu le Marcus de 2000. T'es un petit peu le Marcus de ton chat, là. C'est ça. Non mais Marcus par contre il avait un avantage non négligeable par rapport à moi. C'est qu'il avait pas à lire de chat. C'est vrai. Il prenait parfois au téléphone. Ah après, ouais il faisait ça Marcus. Ouais. Il prenait au téléphone parfois des auditeurs, mais il devait y avoir déjà sélection un peu. Ouais. Hein. Déjà ceux qui avaient les deux QI, enfin deux neurones qui ne connectaient pas, il devait pas. Voilà. Comment ça? Hey, mais il devait pas le prendre au téléphone.
Tu m'as fait vendre les cristaux de terre alors que les cristaux de terre, on en a besoin en fait. Ah mais il y en a d'autres. Attendez, je devais donner un champignon, je devais donner des slimes. Mais faut tous les donner d'un coup ou Non mais arrose. Non, tu peux les donner petit à petit. Non mais je te vois là, t'arroses pas. Non mais là je prends des trucs que je vais devoir donner. Au truc de mort là. Vénère. Et que toi t'as rien donné de toute façon. Ah mais je peux... Putain, tu m'as pas dit qu'on pouvait donner des couleurs sympas à notre coffre. Il est rose celui-là. Putain, le mec me dit même pas que je peux lui donner des couleurs kawaii à mon coffre quoi, mais vous vous rendez compte? Est-ce que t'as vraiment besoin de ça? Bah oui. J'ai besoin de ça dans ma vie. Personne me baise. Je fouille des poubelles et je m'épuise à pêcher et à arroser des plantes de merde qu'en plus tu laisses crever. Mais dans 6 jours on sera riche. Alors encore heureux que je peux mettre de la couleur dans ma vie en foutant mon coffre en violet. Ok. Avec cette musique festive. Hein. Bonne ambiance. Oh non, je suis exhausted. Déjà? Bah ouais. Mais 18h07, mais je dors me casser moi, ça suffit ces conneries là. C'est ma dernière journée Mintos. Hein. Très bien. Non mais je pense qu'on a assez donné là. Est-ce que je continue Alan Wake moi derrière? Ça va être compliqué de continuer. Moi de toute façon j'ai dit c'est la journée là où je fais avancer le délire des coffres là. Hein. C'est-à-dire je vais poser ce que j'ai, ce qui est pas grand chose, mais je vais surtout pêcher avec comme seul objectif de remplir cette merde. Remplir le vide qu'il y a dans ton cœur. Ça. Mais on n'a pas accès à tous les poissons. Où c'est que je vais trouver les poissons de forêt, Mintos? Et les poissons spectraux. Toi qui as joué 1000 ans à ce jeu, comment se fait-il que tu n'aies pas encore routé les poissons? Non mais moi je joue 1000 ans puis j'oublie après. Où est la route des poissons? Le routing. Les poissons de la forêt? Je sais pas où ça doit être sur la gauche, là, en bas à gauche. Ok. Ah oui, c'est vrai, attends, j'ai jeté un coup de... C'est vrai qu'on va pas souvent là-bas. Je crois que je suis déjà épuisé, j'ai peut-être allé au bain avant. En fait, je vais rien faire. Peut-être passer au bain avant. Hein. Moi, je vais au bain, là, j'y suis, là. Ah, quoique non, mais les bains, c'est le bon plan, vu qu'il y a le truc juste à côté, là. Ok. Oh, j'ai mal au fion. On peut te répondre. Ah, vous pouvez me répondre, vous pouvez me spoiler sur ce jeu de mort. Hein. Oh. Poisson de forêt, c'est à gauche de la map, très bien. Et mais c'est vrai qu'on a une map, on l'oublierait presque, hein. Bon alors une map... Oh, ça a été beaucoup d'émotions hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les bains. Non mais le temps il passe trop vite aussi, y a pas... Avec un mod on pourrait ralentir le temps, c'est ça? Ouais, on peut faire ce qu'on veut. On peut avoir des tracteurs qui tombent tout le bordel d'un coup. Ah putain. Ah voilà, c'est ça. C'est une dinguerie. Ah non, ça je m'en fous, c'est la pêche, c'est plus tard. On est bien d'accord que je peux pas... Attendez, mais je pouvais pas remplir, on est bien d'accord, faut... Ah si, je peux les remplir de là. J'ai jamais besoin d'aller dans cet endroit de mort en fait. Je croyais que c'était juste un résumé. Je suis dégoûté. Et ça branlait encore. Non mais en fait, j'ai jamais besoin de personnellement me rendre à l'endroit où on rend les trucs. C'est encore Mintos qui me disait d'habite. Non, si. Ouais, voilà, vous voyez, vous êtes mauvaise langue. Voilà. Vous êtes mauvaise langue. Vous êtes mauvaise langue avec Mintos, quoi. Ah, mais putain, il en fait les qu'un seul. Je l'avais, le cristal de terre. Oh, j'aurais pu faire quasi. Oh. J'en ai pas un cristal de terre dans mon coffre. Ah, c'est trop con, ça. T'as regardé dans mon coffre ou pas? Non mais de toute façon faut l'alarme geler. Alors ça j'ai. Oh mais ça j'ai l'essence solaire. J'ai pas besoin de poser 99 slime, je peux poser l'essence solaire pour avoir le paquet d'aventuriers. Et évidemment j'ai oublié de le prendre, putain. Ok. Tu me l'as dit, nom de Zeus, désolé. Oh mais déjà 13h40, c'est épuisant ce jeu quoi. Non, on va se coucher là. C'est quand qu'on prend du plaisir dans le jeu de mort là? Le jour 13, hein, jour 13. Les récoltes, mais t'avais même pas gardé une fraise pour ce truc de merde? Non. Ah, faut des trucs dorés là.
Ah, les melons, faudra garder un melon et une myrtille. Voilà, j'en ai un, cristal de terre, là. Et j'ai des quartz. Et j'ai des slimes. Quartz, j'ai mis. Non, mais des slimes, il en faut 100. Mais au lieu du slime, on peut mettre juste un truc radiant, soleil de ses morts. Bon, laisse tomber. Il quoi. Faut mettre bombe ou pas? Bombe? Je sais pas. Mais regarde avec ton truc. Oh, j'ai la flemme, moi. Quoi? Non mais 14h40, le temps que j'aille au bain. Ah, j'ai pas mis le champignon. Oh là là, c'est nul. C'est nul. Je vais aller pêcher à la forêt. Après ça. Mais je l'avais pris mon champi. Ah mais oui, idiot. Et le champi rouge, c'était quoi? C'était là? Non, ça c'est les poissons. Les aliments. Récompense sert. Tu viens de poser un truc? Non. Pourquoi j'ai une récompense? Vas-y, attends, je vais poser des trucs là. Non, c'était juste. Non, c'est juste marqué en bas. Ah oui, non, mais oui, c'est juste marqué en bas par défaut. C'est moi qui fume du washit. C'était où le champlard? Mettez le mode pour figer le temps. Il y a un mode pour figer le temps? Tricher ça. C'est tricherie? Ah là, champignon rouge. C'est là qu'il faut poser le cristal de terre? Cristal de terre, c'est à droite. Tout à droite. Et voilà, on a rien branlé de la journée. C'est génial. On s'en fout, on a de l'argent et on va théoriquement, hein, d'après toi, je le répète, se faire des couilles en or parce que t'as investi toutes nos économies dans des myrtilles. Ah mais une barre d'argent, j'en ai aussi moi. Ah bah parfait. Pourquoi t'as pas mis le truc solaire? Mais parce que j'ai oublié. Ah ouais, le truc solaire, c'est bon, on pourra le faire. Mais les récompenses, c'est à chaque fois qu'on fait un truc ou c'est seulement quand... Non, c'est quand t'as tout rempli. C'est tout rempli, ouais, bon, alors, de la merde. L'arme gelée, il y en avait une. Ouais, on peut en trouver une rapidement. La grosse merde, hein. Je pense que c'est le mot, comment dire, comment était la première édition du M-Event. Grosse merde. Bon, tu fais quoi là? Je sais pas. J'essaie de me frayer un chemin à partir de notre maison pour rejoindre le lac. Ah. Je regrette déjà ce choix. Est-ce qu'on peut aller plus à gauche que ça? Ah mais nous on est au nord-ouest, c'est nul notre maison. J'oublie tout le temps que notre maison c'est nul. Bah non, c'est ça. Ah, c'est ça, au sud-ouest en fait. Je crois qu'on peut y aller. Ah non, on peut pas avoir accès. Si, on peut avoir accès en passant par là. Mais il va falloir que je tape les arbres. Et si je tape les arbres, je vais être épuisé. Bon, je suis déjà là-bas. Oh là là, il y a des trucs. C'est une dinguerie. Une spice berry. C'est épuisant. Je suis éclaté. Bon, vivement la fin de journée. C'est pas que je m'emmerde, mais... Faut que je sois en père de famille, quoi. Oh, moi je suis pas père de famille, mais... Ah ça y est, voilà, tu dois jouer à la noix, toi. Je pense que je vais en faire un petit peu là. Mais non, mais le lac, on l'a fait mille fois, on est venu mille fois ici avec le... L'arbre au milieu, là, en dessous de la voyante. Et il y a le magicien là aussi. Il y a le magicien, il y a le vendeur de chapeaux, des trucs. C'est à quoi le vendeur de chapeaux? Acheter des chapeaux. D'accord. Je trouvais des débris. En haut à gauche de la roulotte. Et laquelle? Vitalico. Ah mais je peux pas. Il faut quoi pour pouvoir casser les troncs d'arbres un peu plus vénères couchés sur le sol? Il faut la hache level 2 en cuivre. Aïe aïe aïe. Mais il faut des barres de cuivre et on a rien. Ah, il y a un truc, il y a des bulles. Vas-y, nique. Il y a des choses à faire dans le jeu. Hein. Non, mais là, il faut qu'on termine les poissons. C'est bon, j'ai trouvé des bulles, t'inquiète pas. Journal des trempés. Énorme. C'est mort. Oui, donc on n'a pas accès à la forêt, quoi. Non. Oh, le brochet, joli brochet.
Mais non, mais putain! Écoute, Joker Face. J'en chie, mais c'est déjà fini. C'est de la merde. Il se l'est quand même de Mintos. Ah, j'aime bien avec ce petit délai, ça, ce petit décalage, ça donne un quelque chose. Bah, j'ai pas vu encore, moi. Je vois, moi. Merci encore, hein, Joe541, pour ta contribution à M-Event. Pour Mintos. Promis, je vous fais un récépissé à la fin quand j'aurai reçu mon 0,5%. Bien sûr. Abonnez-vous à la newsletter pour avoir les t-shirts aussi. Oui. Putain, faut que je réponde pour le PSP là. Dès que ça part pour l'impression. Faut que je réponde pour FF14. Très bientôt du FF14 sur cette chaîne. Alors vous rassurez. Pas Podrick Balkany, hélas. Podrick Balkany, c'est le contenu non OPSP, c'est le contenu passion. Mais là, on se fera peut-être un peu de vêtements. Mais j'ai fait des nuits entières sur FF14, j'étais devenu tox là. J'ai commencé un perso, il y a genre déjà 13 VOD, je crois, un truc comme ça. Faut dire, moi, WoW classique, hier, j'ai bien joué 15 heures, hein, je crois. Ah, mais toi, t'as joué en fait, ok. Ah oui. Parce que moi je regardais les Zerator et ses potes là faire le truc méthode. Merde. Et comme je t'ai dit, ouais, j'ai stream un petit peu, j'avais 10 viewers, j'ai dit non quand même. Et j'ai dit je vais me faire offline. Mon matériel de pêche est usé, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est la. Ok, c'est le leurre. Le leurre au bout d'un moment il se casse. D'accord. Putain, mais c'est de la merde cet endroit. 10 viewers dans 8 bots. Terrible vie. Ok, on va arrêter cette VOD. C'est passionnant, moi j'adore. Je comprends pourquoi ce jeu est respecté. Hein. Il faut aller se coucher. Oh là là! J'ai... Mec! Mec! J'ai pêché un brochet en or de 1m22. C'est une dinguerie. Oh, celui-là... Moi, j'ai un ça va se vendre cher. Minuit, mec! Double géode. Bon, allez, je vais me coucher, moi. Ça suffit. Ah, mais je suis épuisé, man, et je vais encore me coucher à 1h du matin, donc je vais pas tout récupérer, j'en ai marre. Ah non, mais. Oh non, le cauchemar! Quel affreux cauchemar. Ah, je me baise là, parce que là, les coups d'épée, ils vont m'obliger à utiliser la hache, ça va m'épuiser. J'arrive. Ah non, je suis un dieu. C'est où? Ah non, au secours. C'est où? Je suis près du lac, près de la mini-lac de mer. Je vois pas. Moi je t'ai vu en tout Allez, cas. Salut. Putain, c'est incroyable. C'est vraiment. Il ne m'apporte que du malheur dans ma vie en fait. Putain, c'est pas possible. Je le voyais, ce con, rentrer chez lui tranquille quoi. Est-ce que tu joues. Mais tu joues en quelle résolution? Ah, mais c'est parce que je joue en 2K. Ah, bah c'est pour ça. Moi, je te voyais, c'était ridicule. Bon, ça... Allez, salut YouTube. Hein. Ça suffit. Hein. Non, mais la cam est décalée parce que c'est l'esprit de Mintos qui parle avec nous, c'est pas Mintos lui-même. Ah, Mintos, il est malade. Mm. Merci Claire hier pour le Prime et The Load. Merci. Après calcul de ce qu'on doit à Mintos, une potentielle partie de votre abonnement ira à la Mintos TV. Merci. C'est l'engagement de ce Z-Event. Ce M-Event. C'est qu'à un moment, éventuellement, il y a de l'argent qui ira à Mintos. Non. Faut que tu mettes pause là, on perd du temps, Mintos. Ah merde, pardon. Faut sauvegarder. Je sais pas. Il est 6h50, dépêche-toi. C'est bon, c'est pause Z. Ouais, mais comment tu sauvegardes? Non, t'es relancé là. Ça résume aide. Il faut faire quoi pour sauvegarder? Oh, ça sauvegarde tout seul, j'ai exited. Oh, il a exit. C'est bon. C'est incroyable, si ça. Mais ça sauvegarde tout seul à la fin de la journée, c'est ok. D'accord. Ah oui, bah c'est parfait. Il est trop fort, c'est Mintos. Eh bien, n'hésitez pas à aller chez Mintos pour aller voir Alan Wake alors. Bah, je crois que je vais me faire une ou deux heures d'Alan Wake. Ok. Putain, ce mec s'arrête jamais, c'est beau. Hein. Eh bien, voilà. Merci. Des bisous, YouTube, j'espère que t'as apprécié ce M-Event. M-Event très sympa, on aurait pu récolter plus, mais à charge de revanche. En deux parties. À charge de revanche, bien sûr. Au revoir. Au revoir.